Bad Boy Nene, spécial interview avec sa film. On est là aujourd'hui. Boum boum. Ça et moi c'est Kevin, artiste originaire de la Guadeloupe. Bon, habituellement je fais du reggae dancehall, mais je suis en fait assez éclectique dans ce que je fais. Ça commence à bien marcher pour moi, on va dire en 2017, tu vois, avec le type Corsair. Je suis un Corsair, tu sais, fais gaffe, baby. Je suis un Corsair, tu sais, fais gaffe, baby. Ensuite, j'enchaînais avec des singles comme Wood Boy, Yaola Lele qui a bien marché aussi. Cette année, j'ai sorti mon premier projet, Top Boy, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et puis, depuis, on essaie de faire le taf, tu connais. Ben, concernant les collabos, j'ai commencé avec mes potes, Tadem, Mathieu et Dai. Ensuite, j'ai enchaîné avec La Rose, Ken Vibes, Ponde, Lyrics qui est sur mon projet, tu vois. Et puis voilà, depuis, on essaie de tenir le truc. Ben, qu'est-ce qui m'a lancé dans la musique? Moi j'écoutais beaucoup de son jamaïque à l'ancienne, tu vois, Sizzla, Capleton, et puis t'avais aussi le site Calotte Lyrical où on avait une majorité de son underground antillais qui était là, et puis moi ça m'inspirait beaucoup, tu vois. C'était avec les potes Vince Stilo, on a monté un studio au quartier, LM Studio, puis j'ai commencé dans mon quartier comme tout le monde, quoi. Le son qui m'a fait connaître, c'est Corsair. Même si j'ai sorti des singles en amont, beaucoup de singles en amont, ce sont des références que tout le monde se rappelle, c'est Corsair. Alors mes sources d'inspiration, je ne vais pas te mentir, j'écoute beaucoup de Jamaïcains, Sizzla, Capleton, Bob Marley, la base quoi, tu vois. Mais bon, comme je suis un artiste éclectique, j'écoute de tout, donc je peux m'inspirer de tout et n'importe quoi en vrai. Tu vois, donc qui c'est ce compas, peu importe, tu vois, depuis le vibe de la passer, j'adhère et ça rentre. Ben, j'ai pas de message spécifique à faire passer à travers ma musique, tu vois. J'aborde différents thèmes en fonction des sons, que ce soit l'amour, la haine, les problèmes que moi-même j'ai, qui sont enfouis au fond de moi, tu vois. Parce que la musique, ça reste quand même un exude, quoi, pour moi. Une manière de m'exprimer, de ne pas garder ce que j'ai à l'intérieur. Et voilà quoi. Ça dépend du son. Ben, le conseil que j'aurais donné à un jeune, tu vois, c'est de toujours s'accrocher, de savoir qui on fréquente dans le milieu de la musique. Parce que ce milieu-là, c'est un milieu de requin. C'est que je te dis, tout le monde se check, mais tout le monde veut se manger en même temps. De savoir qui tu te confies, à qui tu parles, etc. Et puis de travailler sans relâche, parce que c'est le travail qui paie. Ça a toujours payé. On est dans la cité où j'ai enregistré la majeure partie du projet, tu vois. J'ai passé tout mon temps ici. Je dormais au studio, tu vois, parce qu'il fallait limiter les déplacements à cause du confinement. Et le projet, il m'a plu. Pourquoi? Parce que déjà, c'était mon premier projet. J'ai fait quelque chose que j'aimais. Et deuxièmement, parce que c'était pendant le confinement, donc on n'avait pas tous les moyens de promo réunis pour assurer, tu vois, une bonne communication. On a fait avec les moyens du bord. Et heureusement, j'avais une bonne équipe derrière ça. TMC, Bina, Jibézi, etc. Et qui ont fait le taf. Et voilà quoi. Ben, mes projets à venir, je vais sortir des singles, des clips. Et puis on fonctionne à la vibe, tu vois. Il y a aussi les sons qu'on n'a pas sélectionnés pour le projet, pour le sortir. Et en ce moment, je suis au studio souvent. J'enregistre même chez moi, tu vois, chez mon matos. Et ce qui fait que ça, le stock de son, il augmente, tu vois, il grossit. Donc il y a du son pour envoyer du son. Ben, spécial big up à tous ceux qui ont streamé le projet Top Boy, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, tous ceux qui me soutiennent,
depuis le départ jusqu'à maintenant, mon équipe. Et puis, Free Smiley, Wapolet notre famille là, boum boum. Ok, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux Instagram, Kevny Officiel, Facebook, Kevny Officiel, Snapchat, Dog Zion, D-O-G-Z-A-Y-A-N, Baby No More, Bad Boy Néné. Sont ceux qui veulent qu'on réussisse ou qui nous maudissent. Un VGG au Kéno, Amsterdam. Des 3 grammes à d'un cellophane. C'est l'orage, ma fin naufrage. Ici y'a braquage, même à l'abordage. Tête moins chaud, qu'on passe Kaline et Chicago. Un jour je veux toucher le gros lot et dire à maman maintenant s'en fout. Fais pas confiance à tous ces faux. Garde bien la tête au-dessus de l'eau. J'ai une dispo, check mon bigo. J'suis dans une touche, j'fais des créneaux. Villa bizarre for ready to die.